Bonjour à toutes et à tous, c'est Scan35 et bienvenue aujourd'hui sur DCS World en Mirage 2000, ça faisait longtemps, sur la 1.5 en Caucase pour une mission assez particulière. L'objectif de la mission est d'escorter ce Boeing 747 Air France qui est un appareil ayant une valeur extrêmement importante à nos yeux et de s'assurer qu'il arrive à bon port un peu plus au nord sur un des terrains, celui de Sochi. On sait qu'il y a un fort risque de rencontrer des menaces sur ce trajet. Donc notre objectif est s'assurer que ce brave appareil arrive bien à bon port et ce dans des temps corrects. Bien évidemment, la mission ne va pas se dérouler comme on le pense, vous en doutez bien, et on volera tout seul avec une IA ici. On essaie de la faire à deux tout à l'heure sur l'évac, donc avec des membres de l'évac, et il s'avère qu'on n'a pas réussi. Donc voilà qui est tout à fait bon présage. La mission est pas facile, l'adversaire est coriace, mais vous verrez ça en vol. Vous n'êtes pas sans savoir malheureusement que le Mirage 2000, en l'état actuel sur DCS, souffre d'un immense problème de modèle de vol. Et c'est vraiment catastrophique. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment pas, même pas acceptable. Je trouve que ça soit dans cet état-là depuis si longtemps. Car en l'état, l'avion est difficilement utilisable à son plein potentiel. C'est vraiment, vraiment nul. Vous verrez ça en vol, je pense, sûrement. Aussi, en fin de vidéo, vous aurez les autres versions du vol, avec cette fois-ci la compagnie, pour vous montrer à quel point on en a chié. Et il y a comme des combats sympas, donc je les mettrai. En tout cas, l'avion est prêt, on a les chaffes et les flares. Le Boeing est au roulage. Moi, je finis les tests et on va rouler. Bien belle image ça quand même. Le Boeing est au décollage. C'est parti pour l'escorte.
On a un buggy sur nos 1h, 2h. Et c'est à 45 nautiques. 40, 45 nautiques. On va aller voir ça, c'est parti. Burner. C'est le Boeing pour l'instant. Ok, deux contacts. Prendre de la hauteur. Et je vais effectuer un petit lock. On va passer en mode combat. Ils sont pas censés voler dans le coin. Donc c'est sûrement aussi. Ok, donc on va passer à la patrouille de se mettre en ligne de front. Relâcher formation. Patrouille, ok. Engager bandit. Ok, on ira de lock. Et j'ai l'argent de lock aussi. Ok, on a porté de tir. Fox 1. J'active. Merde, c'est pas le truc que je voulais envoyer. Je suis hardlock. Ah mince. Oh c'est pas grave, on va faire ça. Eh je tire. Fuck ça. Il y a eu un splash, nickel. Ah c'est lui qui shoot. Merde. J'ai un peu de troisième. Ok, j'ai visuel. Je te vois gros. J'ai plus de fois que ça. Vite, vite, vite. On va accélérer avant qu'il se loigne trop. Un tir en Fox 2, là, ce serait trop dangereux pour mon allié. Et là, c'est bon. Fox 2. Ça va toucher, ça va toucher. Splash. Nickel. Bon. Le RWR est clear et on avait que deux contacts au radar. Qu'apparemment on s'en est sorti. Il faut espérer maintenant que notre Boeing soit encore en vie. J'espère qu'il a réussi à faire son chemin. On va le chercher. Je suis assez à sec, il me reste plus qu'un seul. Un seul Fox 2. Mais l'engagement s'est bien passé pour nous, on a réussi à éliminer les 2029. Les Fox 1 ont fait leur effet de les mettre en défensif et après on s'est bien sorti par la suite. J'avais aucun visuel sur le MiG-29 qui m'accrochait, je sais pas du tout où ce qu'il était. Et j'ai identifié l'appareil, il est allié donc c'est notre Boeing. 18 nautiques, allez c'est parti, on va le récupérer. Pour continuer notre couverture. Mode police quand même. Faut pas shooter.
Ah ok, on est enfin là. Plutôt technique. Et voilà pour cette escorte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Assez différente de celle d'habitude. Plutôt tranquille, finalement. Voilà, vous montrer un peu d'autres choses. S'amuser un peu avec l'avion. Pas forcément du PVP, mais affronter l'IA et puis beaucoup déguster. Maintenant, je vous laisse avec les moments où on en a beaucoup, beaucoup galéré. Quand il y avait plus d'avions et qu'on était vraiment pas très bon. C'est Scan35 sur DC Sword. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires et abonnez-vous si vous n'avez pas encore déjà fait. Et on se donne rendez-vous pour de futures vidéos. Bye tout le monde. Ok, j'ai voir le missile pété derrière moi. Putain, il est où ce con de 29? Je ne le trouve pas au radar, je le vois pas visuellement, mais j'ai au RWR. Ah oui, ok, je le vois. Oh la vache, je vais le prendre. Oh putain, le missile a pété. Ouh, j'ai vu passer en dessous de moi. J'ai eu du cul là. Ah, il tapait sur mes 6 heures, je suis mal. Merde. Ah, merde, missile. J'ai perdu le visu sur. Ah, il m'a eu. Purée. Ah merde. Et j'ai plus de moteur. Éjection. Ah, j'ai rien à faire, hein. C'est n'importe quoi. Ah ouais, le départ. Oh putain. Chier. Il a touché ou pas? Il a touché. Ah oh, putain, ouais, ça réagit plus du tout. 120 nœuds aussi, t'es lent. Pousse plus, alors pas l'heure de bager. T'as un Fox 2. Là, je peux rien faire. Je peux... Ah, c'est mort. Je vais grimper, essayer de tirer en premier. C'est trop simple pour nous. Ok, Fox 1. Il y a un par défensif. Et départ missile pour moi. Ok. Par défensif. T'avais essayé de choper lequel, gauche ou droite? Gauche.
lock pour moi. J'en arrive ici sur moi. Ok, voilà, ça va être chaud. Vaccin. Apparemment, il est bien splash. Parti. Ah, j'ai un splash. On a perdu contact. Et par missile. C'est pour toi, je crois. Ouais. Effectivement, ça a tapé, mais l'avion est toujours en vol. Nickel. Ok, deux missiles, l'avion toujours en vol, dégâts critiques. Troisième. Ah ouais, de ça. Putain. Ah ouais, non mais là je peux rien. Là. Ah merde. Ah, je décroche. Quelle merde de veau cet avion. Éjection. Fox 2 à l'arrache. Ah, je suis à 102, j'arrive pas à grimper, c'est n'importe quoi. Je sais pas si notre Boeing est encore en l'air. Ah mais j'arrive même pas à monter, genre c'est absolument n'importe quoi. J'ai pas de poussée, je suis en palier, en décrochage continu quasi. Ouais je te vois là. Putain j'arrive pas à monter. Ok, phase 2. Ça a pas touché ça. Canon alors que j'ai à peine 200 nœuds et j'essaie de grimper. Okay. Oh purée. Ouais, splash. J'ai eu mais je suis mal. Ah oui d'accord, ça passe pas loin là. À 200 de je peux rien faire. Ouais, c'est vraiment faire passer. Ah, oh, mais il faut que je fixe un peu les dégâts. Parce que moi, c'est ça. Il a dû m'en tirer 4. Le premier, je l'ai esquivé sans nœud à plat avec une assiette de 30 degrés. Puis après, les 3 autres. Ah, je suis en quoi. Normalement on avait les 8 missiles mais il y en a 4 qui sont partis vite. Ouais, c'est ça. Et le Boeing il est encore en l'air tu crois? Non je ne l'ai pas. Ouais, apparemment. En plus on a raté la mission. Ouais il s'est pas battre au début, il y a trop de temps je pense. Sortir les. Ah mais je vais l'avoir hein, je pense. Il va tomber le compte de carburant avant moi. Oh, et comment il grimpe comme ça, je peux même pas. C'est pas trop mal. Bah très bien joué même hein, parce que moi j'arrive pas à faire toutes ces choses là. Vu qu'on a perdu le Boeing, c'est pas bien joué, on a perdu la mission. Ouais. On a battu les hostiles mais ils ont réussi l'objectif.